fait, quand j'étais petit et que je m'imaginais adulte, je me voyais capitaine des Yankees. Et roi la joue, cicatrisé. Vois ça des peaux rouges, maléfiques. Venu égorger, ou bien aimé. Je me voyais svelte et sympathique. Le modèle pour la société. Ami des chiens, des marguerites. Et toujours bien coiffé. Petit garçon d'hier. Que penses-tu de moi? J'aimerais que tu sois fier de ce que tu deviendras. J'aimerais que tu sois fier de ce que tu deviendras, de ce que tu deviendras. J'aimerais que tu sois fier de ce que tu deviendras. Winchester est une guitare, et mon combat est pour le bien. Les cicatrices et les coquards ont durci l'âme pour marcher loin. J'ai révisé mes idées. On a fait ce qu'on a pu pour pas trop se tirer dessus. Maintenant, faut faire au mieux. Se regarder dans les yeux. Ce sera plus comme avant, mais faut pas le regretter. Les temps sont différents et on a fait tout ce qu'on pouvait. Avec l'épreuve, on apprend à être mieux. En tout cas, moins naïf et demain plus heureux. Pense un tout petit peu à moi. Quand ira voir votre père, tu dis que je suis plus le même, mais je suis juste un peu plus vrai. Avant, je voulais quand même, et je faisais le bon pour y arriver. Et depuis, j'ai appris à agir par conviction. Quitte à perdre des amis et à se récolter des marrons. Fais une petite place pour moi. L'énergie qu'on a dans un coup, faut la faire que marcher loin. Il y a tant de haine dehors qu'on n'a pas le droit d'être un ami. Promis, je ferai des efforts. Allez, prends-moi comme je suis. Fais une petite place pour moi. Dans un coin de tes prières, pense un tout petit peu à moi. Quand t'iras voir notre père, fais une petite place pour moi. Dans un coin de tes prières, pense un tout petit peu. Quand ira voir notre père. Bien, Pascal, bonsoir. Bonsoir, Christian. Une merveilleuse soirée nous avons passée avec vous. Et moi, je crois que une merveilleuse soirée aussi avec le public de Luchon, toujours aussi sympathique. Le public était conquis. C'était pas facile avec les masques. C'est pas facile du tout, même, je dirais. C'est pas évident. Ouais, mais on voyait quand même les sourires dans les yeux. Les yeux parlent beaucoup.
et une dextérité bon, sur les arpèges. Je n'imaginais pas que vous sublimiez autant la guitare par vos arpèges. Je ne suis pas sûr de sublimer tant que ça. Enfin. Dans des thèmes bibliques, le plus souvent, et qui se rapportent aussi à l'enfance. Je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est amusant. J'avais pas remarqué qu'il y avait particulièrement ces deux thèmes ce soir. Après, quand on y réfléchit, Jésus nous dit de devenir comme des petits-enfants. Si on ne devient pas comme des petits-enfants, on ne peut pas rentrer dans le royaume. En tout cas, ce n'était pas volontaire quand j'ai fait ma liste de chansons. Mais si vous l'avez ressenti comme nous ça... Nous restons des enfants, bien évidemment. Et puis, il y a Dieu, il y a notre culte, notre foi judéo-chrétienne. Qui fait que bon, on a été élevé ainsi et que toutes ces belles paroles bibliques nous restent, quelle que soit notre vie après, mais c'est une culture. Oui, moi je crois, j'ai aussi parlé de graines, et je crois que toutes les graines qui sont semées notamment dans l'enfance, il en tire tôt ou tard quelque chose. Et quand c'est des graines qui sont des graines bibliques, je crois qu'il peut en retirer que de belles choses. Quoi. Et en même temps, en devenant adulte, on cultive notre jardin. Oui. C'est une autre façon aussi de voir la chose, mais on cultive la petite graine en même temps, celle de notre jeunesse. Ouais, mais et on grandit avec la graine nous-mêmes. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant le concert. Hein, on plante tous les jours, on reçoit des graines dans notre petit jardin intérieur. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à celles qu'on reçoit. Il y en a qu'il faut chouchouter pour qu'elles produisent un beau fruit, puis il y en a qu'il faut arracher le plus vite. Alors, quel que soit le temps et le vent, je sème à tout vent, disait Larousse. Oh. Oui. Donc là aussi, on sème à tout vent, finalement. Ah ouais. On plante sa graine à tout vent. De toute façon, la seule responsabilité qu'on a, c'est de semer. Après, on est très biblique ce soir, je trouve. Après, mais c'est Dieu qui fait grandir. Après, j'ai envie de dire, c'est plus notre problème. Semons modestement, sans faire le prosélytisme ou quoi que ce soit, en toute simplicité, quoi. De toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on sème dans tous les cas, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Alors pour revenir à quelque chose de plus pragmatique, je dirais, quoique, revenons donc à la guitare. Alors cette guitare, c'est quelque part un peu votre maîtresse en même temps. C'est le sentiment que j'ai. Ah, mais si ma femme entendait ça, qu'est-ce qu'elle dirait? Alors justement, elle pourrait être jalouse à juste titre, parce qu'une guitare, c'est quelque chose de précieux. Rien que la guitare en elle-même a la forme d'une femme. Oh. Puis celle-là est particulièrement... Et on la tient contre son cœur. Ouais. On la cajole. Ouais. En grattant les cordes. Uh-huh. C'est-à-dire que, quelque part, elle nous donne le pendant de la caresse que vous lui faites. Ah, ben c'est ça, ça peut être une relation d'amour et plus on passe du temps. C'est pour ça que je parlais de maîtresse. Plus elle est généreuse, j'ai envie de dire. Elle est généreuse, voilà. Et plus vous la choyez, plus vous la caressez, plus elle vous rend. Ah oui, ah ben, oui, c'est comme toutes les disciplines. Alors, que ce soit des câlins par arpège interposé, ou par médiator interposé, ou c'est plus hard. Alors, nous avons parlé de la guitare, donc, qui est une maîtresse pour moi, quelque part, parce que vous la choyez, elle vous rend beaucoup, mais il y a la voix, après. Uh-huh. Il y a l'auteur et il y a les voix. Alors, l'auteur, bon, on ne va pas parler de l'auteur, parce qu'après, vous risqueriez rire, rougir de votre talent, celui qu'on vous reconnaît, puisque les gens vous ont applaudi, c'est qu'ils vous aimaient. Mais c'est la façon de chanter, en fait, votre poésie, uh-huh. qui est là aussi sublimée, je trouve, parce que elle apporte tout le monde. Les jeunes dames que j'ai vues ce soir m'ont-elles dit nous avons eu les frissons. Ah, ça veut dire quand même, c'est profond, ça, quand on a les frissons. En entendant un chanteur. Ah mais j'en suis ravi. Est-ce qu'elles vous l'ont dit peut-être? Une personne. Une. Moi j'en ai entendu trois quand même ce soir. Je compte pas maman. Hein. Alors il faut vraiment pas que ma femme regarde cette, il faut le cette pas. Vidéo parce que déjà si la guitare sa maîtresse et qu'après je fais frissonner les dames dans le public, non ça va pas le faire. Christian, il va y avoir un divorce après, c'est pas possible. Est-ce que vous pourriez nous donner donc des références? Vos coordonnées pour pouvoir vous contacter éventuellement? Oui, tout à fait, bien sûr. Je crois que le plus simple, en fait, c'est d'aller sur toz.com. C'est mon petit site internet, modeste, mais voilà, il y a mon adresse mail dessus, et puis il y a également le lien pour ma page Facebook.
qui est très riche. Je l'ai regardé, elle est très très intéressante aussi. Voilà. Et puis tout à l'heure, vous parliez de publicité, puisque voilà, bientôt on va sortir un album que j'enregistre en duo, parce que maintenant j'ai le plaisir de m'associer avec un autre chanteur de Béziers qui s'appelle Daniel Péala, et on sort un album d'ici quelques semaines qui s'appellera Double. Alors sur ces bons mots, nous allons nous quitter pour ce soir, parce que vous n'avez pas que ça à faire non plus, il faut remplir le matériel. Alors sachez que, bon bien écoutez, moi je vous remercie pour l'excellent spectacle au nom du public que vous nous avez donné. Et puis je souhaite que nous nous revoyons très bientôt à Sierre de Luchon, ou je ne sais pas où vous serez. Mais merci beaucoup Christian, c'était un plaisir. Bonne soirée. Au revoir.